De ti me enamoré, ahí en el club la otra noche. Pero sé que no me haces bien, no, porque a vos te gusta bailar y estar de joda. D'une bonne énergie ce matin, avec la volonté de faire les choses. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que le verre de ma table basse s'est cassé en mille morceaux. Ce matin, j'étais déter, j'ai été faire le devis pour remplacer le verre. J'ai été aussi jeter tous les bouts de verre à la déchetterie qui est devenue dangereuse parce qu'ils squattaient dans mon entrée. Bon, bien sûr, je me suis coupée au passage. Et j'ai été chercher un colis qui va me servir pour mon petit-déj parce que la plupart du temps, je prends pas mon petit-déj avant d'amener Alma à l'école. C'est vrai que je le fais toujours en rentrant, c'est mon moment tranquille. Soit je mange un gâteau que j'ai fait dans la semaine, soit un porridge ou un muesli, un granola. On va ouvrir ensemble ce paquet. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec My Muesli, qui est un fournisseur en ligne de muesli, porridge, granola. Tous leurs produits sont 100% bio, faits en Allemagne, sans huile de palme. Et tous les emballages sont recyclables. Et en plus, ils sont trop kiki. Vous le savez, moi, depuis le temps, je suis une fan des porridge. Je m'en fais quasi tous les matins et j'aime trop ça. Et surtout aussi, j'aime bien que ça soit sain. Et en fait, là, avec My Muesli, vous pouvez vraiment personnaliser à votre goût. Choisir des produits qui sont uniquement vegan, choisir uniquement que ce soit sans sucre ou avec du sucre naturel. Il y a vraiment toutes les possibilités sur le site, mais vous avez aussi des muesli qui sont déjà préfaits si vous n'avez pas envie de personnaliser, comme par exemple ce muesli caramel beurre salé et brownie. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que ça pour donner envie d'en manger? J'ai trop envie de tester. Mmh, ils sont si bons. J'ai faim en plus. Et en plus là vous avez des petits crunchies, il y a des petits bouts de chocolat, il y a plein de petits trucs qui croustillent. Celui-ci c'est le muesli de Pâques avec des mini lapins en chocolat, c'est mignon. De la fraise, des boules d'épeautre au chocolat noir et au sucre de coco. Et en fait c'est ça qui est bien aussi avec cette marque, c'est que vraiment les ingrédients sont clean. Il y a aussi des céréales qui changent, par exemple bah voilà, farine complète de blé d'épeautre, du sucre de coco, etc. Enfin c'est super appréciable d'avoir, je trouve, des muesli qui sont bons gustativement parlant, qui donnent envie, etc. Mais en même temps qui ont une compo qui est top, ce qui est très rarement le cas des granolas de supermarché, etc., où il y a souvent clairement que du sucre là dedans. J'ai aussi reçu leur coffret de mini muesli de Pâques, et sachez que si vous voulez découvrir cette marque avec le code qui s'affiche juste ici, vous avez le coffret de Pâques avec les 6 mini muesli qui vous est offert à partir de 15 euros d'achat sur leur site. N'hésitez pas parce que ça peut vous permettre de découvrir différents goûts, et s'il n'y a pas les goûts vraiment que vous aimez déjà, vous pouvez créer le vôtre, votre muesli parfait avec les 80 ingrédients qui sont présents sur le site, et c'est tout bien sûr 100% bio. Ça m'a donné faim, je vais tester celui-là direct. Comme d'habitude, je rajoute des fruits. Là, j'ai plus de fruits frais en ce moment, donc j'ai pris ceux de chez Picard que j'ai fait décongeler. Le mélange de fruits rouges, j'ai rajouté des petites noisettes, de la pâte à tartiner. Normalement, je rajoute soit de la purée d'amandes que je fais maison, purée de cacahuètes, purée de noisettes, etc. Mais là, j'en ai plus, il faut que j'en fasse. Et le petit muesli, et là, j'ai juste rajouté du lait. Je vais me régaler. Celui-ci, il est vraiment trop bon. Il est vraiment gourmand et tout, je vous le conseille. Et j'ai oublié de vous préciser, mais la marque m'avait envoyé pour Noël le calendrier de l'Avent avec ce qu'ils proposent sur leur site. Et ils proposent notamment des snacks. Vous savez, les petites boules avec de la purée d'amande ou de la purée de noisette, etc. à l'intérieur. Mmh, ça, c'est trop bon. Autant vous dire que le calendrier de l'Avent, chaque jour, je mangeais soit un porridge, soit un snack. Il a vraiment pas duré. Et du coup, j'ai pu tester une large catégorie de leurs produits. Et je les valide vraiment pour vous en parler aujourd'hui. J'ai pas mal travaillé ce matin sur tout mon petit planning de contenu à venir, etc. Et je voulais vous dire par ici aussi que je suis sur TikTok. Si jamais vous passez du temps dessus grâce à ma routine du soir, où maintenant je lis et je ne scrolle plus sur les réseaux, mais sinon on va passer beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui sont déjà sur Insta, sur YouTube ou même qui ne veulent pas être sur plein de réseaux sociaux justement parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut se créer des comptes, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vous dis absolument de faire, mais je vais vous
partager quand même mon ressenti moi en tant que créatrice de contenu, parce que sur TikTok j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus spontané, les gens se prennent moins de pincettes on va dire, donc ça peut être très compliqué dans les retours parce que les gens ne mâchent pas leurs mots, déjà qu'en règle générale sur les réseaux sociaux c'est le cas, mais c'est aussi puisque en fait mes contenus sont montrés dans le fil de Pour Toi, donc en majorité des gens ce ne sont pas des gens qui suivent en fait, c'est ça la particularité aussi de TikTok, ce ne sont pas forcément des gens qui vous suivent, qui ont votre contenu en premier, c'est vraiment balancé un peu comme ça à tout le monde, voir si c'est un contenu pertinent qui retient l'attention des gens etc, donc pour le coup il faut faire des choses assez rapides qui plaisent dans les premières secondes, mais ce que je trouve super bien c'est qu'en fait il y a les retours vraiment sans langue de bois entre guillemets des personnes. Moi ça fait près de 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc maintenant même si c'est dit d'une façon pas constructive etc, j'arrive à ne pas prendre les commentaires négatifs à cœur. Mais il y a des choses qui sont intéressantes quand surtout on parle d'écologie, de minimalisme et tout, et que c'est exposé directement à des gens qui sont pas forcément concernés. Je trouve que ça vient enrichir mes retours et la façon de communiquer quand je m'exprime du coup directement vis-à-vis des personnes qui n'y connaissent rien, qui découvrent. Par exemple j'ai partagé un réel sur les alternatives durables et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questionnements, et du coup je me dis que c'est hyper intéressant en tant que créateur de contenu parce que t'arrives à toucher des personnes qui sont peut-être pas forcément sensibles à l'écologie, mais à leur proposer toi ta version de vivre la chose qui peut leur parler. Même des questions, on peut répondre plus facilement en vidéo, commentaires et tout, il n'y a pas un feed comme Insta où tout doit être entre guillemets parfait, joli. Là c'est vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup de réponses, beaucoup de spontané, donc je trouve ça vraiment chouette pour pouvoir répondre aux questions, aux interrogations des personnes qui peut-être seraient intéressées par avoir un mode de vie plus simple mais qui n'osent pas pour leurs différentes contraintes qu'ils peuvent identifier. Et aussi c'est vrai que ça rassure entre guillemets dans un sens où parfois une vidéo qu'on peut mettre sur Insta ne va pas fonctionner sur TikTok, comme une vidéo que je vais mettre dans les shorts YouTube qui sont les vidéos courtes du coup YouTube va super bien fonctionner et pas du tout sur TikTok et inversement, enfin bref. Donc ça montre que déjà il y a des types de contenu qui fonctionnent plus ou moins selon les plateformes, mais aussi que c'est pas forcément notre contenu qui a une partie d'algorithme. Alors je suis pas forcément pour dire que l'algorithme est vraiment hyper méchant etc, mais c'est vrai que des fois il y a une part de hasard comme sur tout, et un contenu qui peut ne pas performer sur une plateforme peut performer sur un autre, et du coup je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire par exemple un réel à mettre à la fois sur short, à la fois sur TikTok, parce que j'ai vraiment des retours différents, et donc je trouve que c'est une super zone de test, et en ce moment c'est ce que j'essaie de faire. J'étais beaucoup plus régulière sur Instagram, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaie de vous faire du contenu quasi tous les jours, avec aussi des posts carousels qui sont un petit peu plus instructifs, éducatifs. J'ai encore des moucherons ici, je vous jure j'étais presque venue à bout des moucherons dans mes plantes, mais il y en a toujours un qui traîne pour me venir m'embêter là, et juste genre sous mon nez. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre par là-bas, je suis sous le même blaze, le comptoir durable, et voilà, je fais des petites choses test et tout, je trouve que c'est une ambiance différente, donc c'est toujours sympa. Dans ce vlog, je voulais aussi vous montrer mes achats de seconde main récents, j'ai essayé de vous rassembler tout ça pour vous montrer. Alors, premièrement, il y a ces petites choses pour enfants. On a découvert une piste pour faire de la draisienne, sachant qu'Alma n'a vraiment pas une passion pour la draisienne, et là, elle a trop kiffé, elle a voulu en refaire. Sauf que je n'avais ni casque, ni protection, ni rien du tout, donc... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit je vais aller à Emmaüs. Franchement, pour tout ce qui est casque de protection, alors je sais que normalement les casques, une fois qu'ils sont tombés ou une fois qu'ils sont utilisés, tout c'est pas censé se donner, se prêter, mais pour l'utilisation qu'on va en faire, je sais même pas si elle va vouloir en refaire quotidiennement ou quoi. Franchement, ça vaut tellement le coup. Le casque, il est en super bon état, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je l'ai payé 1€. Et pareil pour cette paire de genouillères. Est abîmée clairement, mais en fait pareil pour l'usage qu'on va en faire, sachant qu'elle va vite grandir. Dans tous les Emmaüs il y a des casques, tout ce qui est les trucs pour enfants et tout, il y en a régulièrement. Ayez le réflexe d'aller à Emmaüs en ressourcerie ou quoi pour les petites choses comme ça pour vos enfants qui ne durent tellement pas longtemps et qui sont super accessibles de seconde main. Pour ma part, si vous avez suivi mes petites vidéos sur ce que je désencombrais, j'ai désencombré un jean qui ne m'allait plus beige, donc sur les 3 que j'avais il ne me restait plus 2, et celui-ci c'est littéralement voilà, c'est complètement troué à l'arrière, donc je pense que je vais essayer de voir pour le réparer auprès d'une couture. Mais je me dis si ça craque ici, c'est peut-être simplement qu'il était aussi trop serré, usé et tout. Donc je vais voir ce qu'elle peut me faire. Je me retrouve avec un seul jean noir. Donc j'ai décidé d'investir dans celui-ci. Donc c'est un jean large, un jean qui est taille haute. Et d'ailleurs cette ceinture aussi,
Je l'ai prise chez Emmaüs, 1€. Donc vraiment, j'en ai eu pour 3€ chez Emmaüs, avec une ceinture, un casque et des genouillères. J'ai pris ce jean-là sur Vinted, qui est un jean vraiment large, hyper confort. J'ai pris bien à ma taille cette fois-ci. Et c'est un jean H&M de seconde main. Et j'ai enfin investi dans une doudoune. Franchement, j'avais uniquement des manteaux qui étaient sans capuche. Maintenant que je sors dehors tout l'hiver et tout pour me promener avec Alma, c'était vraiment relou de ne pas avoir de capuche, de ne pas avoir de manteau qui ferme bien. Cette doudoune-là, ça me change la vie. Et quand je suis là, bon, on va se promener, et ben j'ai aucun regret. Je me dis pas, oh, non, je vais avoir froid. C'est une doudoune qui est vraiment longue, longue, longue. Supplément capuche, vraiment, ce qui me manquait. Et en fait, je peux tout simplement la fermer. La fermer jusqu'en haut. Donc c'est trop trop cool parce qu'elle est hyper chaude. Donc c'est une doudoune qui est une doudoune Tommy. Ça m'a fait poser question sur les achats de seconde main qui sont de la fast fashion de base. En fait, ça fait un moment que je me dis maintenant que j'aimerais avoir que des pièces de mode éthique dans mon dressing. Et pour moi, ça passe à la fois par la seconde main et par l'achat neuf aussi, parfois de pièces, mais vraiment de mode éthique, engagée, etc. Mais j'ai cette réflexion de me dire, que penser de la fast fashion en seconde main. Avant, pour moi, au tout début de Vinted, etc., la seconde main, même quand c'était de la fast fashion, c'était tellement moins courant qu'aujourd'hui, qu'on avait plus de chances d'acheter des pièces qui vraiment étaient inutilisées par les gens, de leur donner une seconde vie. C'était vraiment les fins de placard des gens, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais maintenant, en fait, pour moi, la seconde main, c'est plus gage d'éthique dans le sens où parfois les personnes achètent neuf, sachant qu'elles vont pouvoir maintenant revendre de seconde main. En gros, la seconde main, c'est devenu le deuxième circuit des vêtements après le neuf. Donc des personnes qui n'ont pas du tout de conscience écologique ou quoi que ce soit vont juste acheter par exemple chez Zara, etc., énormément de choses neuves, pouvoir vendre de seconde main, donc avec l'assurance qu'elles vont pouvoir revendre derrière les produits pour se réacheter encore plus de choses neuves qui sont pas forcément éthiques. Et ça me pose ce problème de me dire en fait, est-ce que à travers mes achats de mode fast fashion, même si c'est de la seconde main, j'encourage ce système de toute façon on peut acheter tellement facilement parce que maintenant on peut revendre de seconde main, donc c'est pas vraiment un problème. Et c'est cette réflexion-là un petit peu qui me pose problème. Et je me suis dit, mais pourquoi je sais que je ne veux pas acheter de fast fashion de seconde main? Je me suis quand même retrouvée avec, par exemple, un jean H&M et une doudoune Tommy Hilfiger. Pour les deux articles, je me suis fait la réflexion et un petit peu le cheminement de pensée, pourquoi je suis passée à l'action, etc. Pour le jean H&M, j'ai été influencée par un contenu sur les réseaux sociaux. J'ai vu, en fait, tout simplement le jean sur quelqu'un, sur un style porté. C'est exactement le rendu que je voulais. Je savais que c'était ce jean-là, ce type de jean. Et la personne avait tout simplement le lien en barre d'infos. J'ai regardé le lien, c'était sur H&M, j'ai essayé de trouver de seconde main et il était dispo sur Vinted. Pour le deuxième article, mon influence vient de mes proches parce qu'en fait c'est ma sœur qui a une doudoune dans ce genre-là et pareil que moi, elle a une fille et elle sort aussi beaucoup en extérieur et tout. Et en fait, je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut, une doudoune comme ça aussi longue et tout. Et moi qui avais tout le temps froid, pas envie de sortir du coup à cause de ça, je me suis dit c'est trop bien, donc je l'ai essayé. Et je me suis dit il me faut le même type de qualité, la même chose, donc j'ai essayé de chercher le même modèle sur Vinted, ce qui m'a poussé à trouver un autre modèle dans la même marque. Donc en fait, je trouve que c'est quand même plus compliqué que ça. Même quand on a envie d'acheter éthique, il faut carrément repenser tout ce qui nous influence autour de nous. Même si moi qui suis dans le mode de vie écologique, qui suis des personnes sur les réseaux sociaux, etc., la majorité des choses qu'on voit, la majorité des choses qui nous influencent au quotidien sont des choses de fast fashion. Il y a beaucoup plus en fait d'influence et de recos autour de nous qui sont de la fast fashion, que c'est beaucoup plus facile, même en seconde main après, d'acheter et d'aller vers ces choses-là naturellement. Donc en fait c'est vraiment tout un mode de pensée et un effort en fait à faire, surtout par exemple sur Vinted ou sur les plateformes de seconde main. Il y a énormément, la majorité des choses ça vient de H&M, de Zara, et en plus ce qui est plus difficile c'est, je sais que ça sera dans mes goûts actuels, ce genre d'enseigne. Donc en fait il faut vraiment tout repenser et essayer de trouver des marques éthiques qui correspondent à nos valeurs mais aussi à nos goûts. Et même en ayant trouvé ça, en fait il y a quand même de un prix qui est différent, on va pas se le cacher. J'avais vu une doudoune que je voulais, je me suis dit ok, je vais regarder par exemple sur des sites comme WeDressFair, Fairytale, etc. Donc déjà des doudounes longues exactement comme je voulais, il n'y en avait pas forcément. C'est ça aussi ce qui est compliqué dans la mode éthique, c'est qu'il n'y a pas forcément le modèle exact qu'on veut parce qu'ils en proposent beaucoup moins, et ce qui se comprend aussi. Et le seul modèle que j'ai trouvé c'était une doudoune Armed Angel. Je sais plus quel était le prix, je vais regarder exactement. En gros, une doudoune qui était assez longue, et encore elle n'est pas si longue que ça, mais bref, celle-ci qui est un modèle à peu près similaire, on va
on va dire, en marque éthique. Bah les gars, elle coûte 400 euros, donc j'étais là, bah non. Par contre je l'aime beaucoup, donc pourquoi pas. J'ai regardé sur Vinted, en seconde main, etc. et je ne l'ai pas trouvé, forcément parce que c'est moins accessible et du coup que c'est des modèles qui sont moins vendus et donc moins revendus de seconde main. Donc en fait il y a quand même un espèce de cercle vicieux qui, j'espère, je pense, va peut-être évoluer dans le sens où même de seconde main, tout ce qu'on a, enfin la majorité des choses qu'on a à disposition, c'est de la fast fashion. Surtout que, vous le savez, je suis vraiment pas partisane de se dire, bon bah ok, je prends quand même quelque chose qui correspond pas exactement, peut-être que j'aurais pu trouver une doudoune éthique, mais qui correspondait pas exactement à ce que je voulais. Pour moi, ça veut dire que dans quelques mois, je me serais dit, ah oh, bah quand même, moi je voulais une doudoune longue, là j'en ai pris une courte. Si je cherche quelque chose, j'ai envie vraiment de trouver la chose qui répond à mon besoin, parce que sinon j'ai l'impression que ça va juste repousser un achat, je vais faire des achats en doublon ou que je vais pas être contente de mon achat. Donc le but c'est vraiment de trouver exactement ce que je veux, mais de manière éthique. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est pas si simple quoi. C'est pas si simple, il y a plein d'alternatives qui se créent, mais du fait que ça soit plus cher pour elle aussi de créer des collections, que l'objectif ça soit aussi de pas faire énormément de collections, qui dit moins de modèles, il y a moins de choses qui correspondent forcément aux besoins de chacun, des produits plus chers parce que plus respectueux, des coûts de production, des coûts de main d'œuvre, etc., des matières nobles, mais du coup qui sont très difficilement accessibles neufs et beaucoup moins disponibles de seconde main. Donc c'est vraiment, je trouve, une démarche en plus d'acheter de la seconde main, ok, mais d'acheter de la seconde main éthique, c'est encore, je trouve, une autre marche de l'escalier, un autre pas vers le chemin d'un mode de vie éco-responsable. J'aimerais accéder à ça en fait. Là je me suis vraiment dit, ça me saoule en fait d'avoir un jean H&M, et rien que pour le fait que quand on me dit, ah bah elle vient d'où ta doudoune, ah bah il vient d'où ton jean, je vais dire bah ça c'est un truc de seconde main, mais n'empêche que les gens vont retenir que c'est H&M, que c'est Tommy, et d'autant plus que j'aurais kiffé dire, ah bah c'est une petite marque faite en France, regarde tiens si tu veux le même modèle, et faire découvrir aux gens, puisque moi-même ce sont mes valeurs, j'y arrive pas. Enfin, c'est difficile de me dire que pour l'instant je suis pas encore là quoi, je suis pas encore à ce stade d'avoir une garde-robe en éliminant toute la fast fashion quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aimerais, pour pouvoir être entre guillemets un exemple de ce que j'aimerais voir partout et en fait de l'incarner moi-même. Ça serait ce que j'aimerais, mais voilà, c'est tout un cheminement qui passe par ces réflexions de pensée, et petit à petit, la prochaine fois peut-être que je me poserai des questions différentes par rapport à la seconde main, j'essaierai de plus creuser, plus remettre en question, voir si mes besoins peuvent coller à quelque chose qui existe en mode éthique, je sais pas. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des pistes, si vous êtes dans cette même réflexion que moi, peut-être. J'aimerais bien savoir si ça vous a déjà traversé l'esprit, et j'ai l'impression que maintenant c'est de plus en plus commun en fait. Cette revente si facile sur la seconde main, le fait que Vinted ça devienne juste une plateforme de consommation plus, ça fait se poser des questions quoi. Merci en tout cas d'avoir suivi ce petit vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque je sors une petite vidéo tous les dimanches sur cette chaîne. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Oh.